Bonjour à tous. Voilà, alors ça c'était l'introduction qu'on a utilisée dans chaque ville, pour chaque table ronde, pour lancer au 21, s'orienter au 21e siècle. On a vu depuis le début de la matinée que le monde qui vient est un monde complexe, très compliqué, plein d'opportunités. Et le monde a voulu lancer un événement pour justement essayer de donner aux jeunes des clés de compréhension du monde qui vient pour qu'ils puissent trouver leur voie. Voilà, c'était un dispositif plurimédia pour ceux qui auraient échappé. On a quand même essayé de le faire savoir avec beaucoup d'articles sur Internet. C'était aussi une façon de traiter ces sujets dans le journal Le Monde. Quand je dis le journal, c'est évidemment à la fois sur le site et sur papier. Et ces déplacements dans 4 villes, elles se sont affichées la première année. Lille, Bordeaux, Villeurbanne, Paris. En quelques chiffres, 8 conférences à chaque fois qui duraient 1h30, des conférences débat très interactives, une dizaine d'intervenants en moyenne par conférence, oui c'est beaucoup, 320 intervenants donc au total, représentatifs des écosystèmes innovants, enseignement supérieur, recherche, start-up, monde de l'entreprise, collectivité territoriale, sur tous les territoires où on était, donc au total environ 5000 jeunes et moins jeunes parce qu'il y avait à peu près 20% de lycéens, 20% d'étudiants, 25% à peu près de parents, 10% de professionnels de l'éducation et puis des personnes qui avaient poussé la porte parce que la question de l'orientation, elle ne se pose pas seulement entre 15 et 25, elle peut aussi se poser à 30, 35 et pourquoi pas 75, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions d'orientation. Le dernier point, c'est qu'on avait choisi des lieux de culture, culture scientifique comme la Cité des sciences et de l'industrie qui nous a fait l'amabilité de nous accueillir l'année dernière et on le remercie encore, lieu de culture théâtrale à Villeurbanne au Théâtre National Populaire, lieu de culture musicale à Lille au Nouveau Siècle qui était la salle historique de l'Orchestre National de Lille, dirigée par, pendant 40 ans, plus maintenant, mais bref, par Jean-Claude Casadesus. Et puis, culture rock et culture musicale à côté de Bordeaux, à ce nom, au Rocher de Palmer. Si je vous précise ça, c'était pour dire que ces questions d'orientation, que s'orienter dans ce 21e siècle, vous avez beaucoup soulevé à la fin de la première table ronde, enfin pas seulement à la fin, mais notamment à la fin, la question du sens. C'est que ce n'est pas un enjeu pour nous strictement scolaire ou d'orientation au sens classique du terme. C'est un enjeu culturel, c'est un enjeu sociétal, ça fait écho à des représentations et c'est pour ça qu'on est allé dans des lieux de culture. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en début, c'est parti par deux démarches journalistiques. On avait démarré, moi j'avais écrit en effet La déconnexion des élites, qui racontait, qui a eu le prix du Forum Changer d'air il y a 2 ans, qui racontait justement que dans ce monde rapide, très complexe, on assiste à une accélération du monde qui est fulgurante par rapport au temps de construction de la société. Il y a des gens qui comprennent pas vraiment, il y a des gens qui comprennent un peu, qui n'ont pas envie que ça se passe, il y a des gens qui comprennent parfaitement et qui prennent des positions. Alors, on a par exemple interviewé Louison Dumont, qui est un jeune King Coder qui est parti à 18 ans aux États-Unis, il est en train de créer son avocat virtuel. Alors on peut se dire que c'est quelque chose d'anecdotique. On l'a interviewé, on l'a montré à des jeunes, mais quand on sait que derrière Louison Dumont, c'est Elon Musk et le financier d'Elon Musk qui est là aussi, on se dit que si c'est anecdotique, mais que si ça marche, ça peut aller très très vite. Donc c'est vrai que les innovations viennent des marges, démarche sociétale. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qui finance ces innovations. Il y a des questions éthiques centrales, des questions politiques, géopolitiques majeures. Et c'est ça qu'on a voulu en fait raconter le monde qui vient, avec d'un côté l'aspect déconnexion des élites et d'un autre côté un aspect éducation, en parlant justement du fond du livre d'Emmanuel, Le tsunami numérique, pour montrer qu'au niveau de l'éducation, là aussi, c'est en train de bouger. Voilà, donc très, très brièvement, mais effectivement, c'était dans les deux cas une démarche journalistique. La mienne, ça a été de retour de la Silicon Valley, où je m'étais rendu à plusieurs reprises il y a maintenant 5 ou 6 ans, au moment de l'émergence de ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque les EdTech. Je m'étais juste posé 2 questions. La première était, est-ce que le système éducatif, que ce soit dans le scolaire ou dans le supérieur, peut être disrupté, comme on dit, de la même façon que d'autres secteurs l'ont été au cours des années écoulées. Qu'est-ce qui se passe si, je vais pas citer de marque, mais enfin voilà, si les GAFAM s'occupent de l'éducation de nos enfants, par exemple, est-ce que c'est possible seulement? Et puis l'autre question, c'était évidemment, est-ce que le système éducatif, singulièrement français, forme aujourd'hui à la fois des enfants, des adolescents, de jeunes adultes, qui vont être capables d'embrasser la complexité de ces enjeux et l'accélération qu'il y a derrière? Voilà, donc c'était une double démarche journalistique. Et quand on a commencé à concevoir au 21, on s'est dit, il faut qu'on reste dans la même veine. Et donc au 21 est aussi un événement qui a un très fort contenu journalistique dont est responsable Laure.
Voilà, alors pour aller chercher du savoir et de la connaissance, on a interviewé dans le monde entier, souvent sans bouger d'ici, par Skype, par les nouvelles technologies, des penseurs. Alors, on a démarré par exemple par Joël de René, qui a répondu à nos questions. Également, par exemple, Aimé Van Winsberg, qui s'occupe de la société des robots responsables. Marita Cheng, par exemple, en Australie, qui est tout à la fois pour Australienne de l'année, parce qu'elle a réussi à créer une société de robots, et en même temps, elle a créé une association dans le monde entier pour faire que les femmes aillent dans la tech. On a rencontré bien évidemment François Taddeï, Frédéric Mazella, Boris Cyrulnik, Henri Atlan, Cédric Villani, Paul Duhan. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, on en a fait beaucoup de vidéos. On va vous en montrer juste une pour vous montrer que ces gens-là ont eu la générosité de se mettre au niveau des jeunes à qui ils destinaient leurs propos. Par exemple, on leur a dit, mais est-ce que ça a été facile de se trouver ? Et on s'est rendu compte que les parcours des uns et des autres n'étaient pas forcément très directs et plus ou moins sinueux. Alors, vidéo. Ça, c'est une vidéo qui a été diffusée dans le cadre d'une conférence qui s'appelait « À qui me fier ? Mes notes, mes potes ou mes rêves ?» Il y avait donc 8 conférences, je ne vais pas vous donner les titres des 8 de l'année dernière, surtout que tout à l'heure, on va vous présenter les titres des 6 de cette année. Vous dire simplement qu'il y en avait à chaque fois comme ça 3 par conférence, des vidéos, donc on était dans un format très interactif. Les jeunes avaient la possibilité de poser des questions via SMS, évidemment gratuit, non surtaxé. Nous, on récupérait ça. L'un d'entre nous était systématiquement sur scène, l'autre était avec le public, ce qui faisait le relais du public. Et d'ailleurs, pour ne pas vous prendre en traite, tout à l'heure, on va quand même vous demander, on aimerait bien vous entendre aussi sur toutes ces questions-là et savoir ce que vous auriez envie de raconter au public d'au 21 l'année prochaine. Donc, on vous le dit à l'avance, comme ça, vous avez le temps d'y réfléchir. Au fil de ces visites, c'est aussi pour ça qu'on vous pose la question, parce que nous, on apprend plein de choses en vous écoutant et on a évidemment appris plein de choses pendant au 21, sur cette jeunesse et sur la façon dont elle s'oriente. Alors bien évidemment, ce n'est pas statistique. Il y a beaucoup de statistiques sur ces fameuses nouvelles générations. Nous, ce qu'on a vu déjà, c'est qu'on était face à des jeunes qui étaient assez loyaux, une génération loyale, mais assez infidèle, qui avait vraiment envie de bouger. Et que tout de suite, quand on a parlé de « à qui me fier, mes notes, mes potes, mes rêves » et « entre fun et safe, jusqu'où prendre des risques », c'est vrai que le modèle de la grande entreprise avait un côté assez repoussoir. Beaucoup de jeunes avaient envie de faire autre chose. On a fait un appel à témoignages sur le site du monde.fr. Sous les grands thèmes, on les a validés aussi en ligne. Et on s'est rendu compte que quand on a dit « vous voulez, par exemple, bouleverser votre métier avec des algorithmes », on a été extrêmement surpris de voir que dans tous les métiers, de la logistique à la médecine, au droit, à la musique, des jeunes avaient envie d'être acteurs, comme on en a parlé depuis le début de la matinée, hein, et voulaient créer des choses ou tenter des choses dans des start-up. C'est vrai qu'on a vu également que la communication institutionnelle des entreprises passait très mal. Grâce au SMS non surtaxé direct, ça on l'a vu parce qu'on pouvait faire la modération, que dès que quelqu'un commençait à raconter des choses un peu trop enjolivées sur le monde de l'entreprise, sur la possibilité de créer, de faire plein de choses, ça passait mal et tout de suite on avait des questions. Alors on s'est rendu compte aussi que on a parlé d'éthique ce matin, très fortement, quasiment à toutes les rencontres. C'est vrai qu'on avait deux tables rondes, une qui s'appelait « Trouver ma place dans un monde de robots », le Big Data, l'Eldorado, etc. À chaque fois, la question de l'utilisation des données et de l'éthique a été mise en avant par cette nouvelle génération. Ça a été des points qui ont fait qu'au fil et à mesure des villes, on a fait évoluer même nos débats pour mettre l'éthique de façon plus centrale au cœur des débats. De la même façon, la créativité, on a une table ronde qui s'appelle « Est-ce que la créativité, ça s'apprend ?» puisqu'on raconte qu'en effet, c'est ce qui nous reste, une des choses qui nous reste réellement à mettre en avant. Et là, on avait fait un appel à témoignage sur le site du Monde. Vous exprimez votre créativité dans votre entreprise, dans votre premier métier, racontez. On a eu 18 réponses. Alors, c'est un beat total pour le Monde, hein, d'avoir 18 réponses. Ça veut juste dire qu'il n'y a aucun jeune qui se sentait créatif dans l'endroit où ils étaient pour leur premier emploi. Et c'est quelque chose qui est remonté très, très vite dans les tables rondes. Les gens disaient, mais c'est bien gentil, il y a une injonction en disant il faut être créatif, mais nous on nous coupe la tête dès qu'on annonce des choses. Ça dérange aussi les gens qui sont au-dessus de nous. On n'a pas envie qu'on soit si out of the box que ça. Donc on s'est rendu compte au fur et à mesure des O21 qu'on a organisés qu'il y avait des problématiques importantes, et notamment par exemple sur le sens. On avait fait donc à chaque fois qu'on démarrait une table ronde un quiz pour savoir un peu ce que pensaient les gens. Est-ce que vous voulez changer le monde?
monde, est-ce que vous voulez gagner de l'argent, etc. Et en fait, dans les quatre villes qu'on a testées, changer le monde et gagner de l'argent arrivait au même niveau. C'est qu'en fait, les jeunes ont envie de se réaliser, en tout cas les jeunes qu'on a rencontrés, d'être en cohérence avec leurs valeurs, de faire des choses qui ont du sens pour eux, mais en même temps, ils veulent aussi gagner leur vie. Donc on s'est rendu compte au fur et à mesure de CO21 que ça dessinait une nouvelle génération qui était très en attente, qui était assez impatiente, qui se disait que si au bout de un ou deux mois, il n'y avait pas de réponse, ils étaient capables de partir. Et c'est comme ça qu'en fait, on a découvert et une jeunesse nouvelle et également une jeunesse qui avait envie d'apprendre tout le temps et qui avait une nouvelle façon de se relier au système éducatif. Voilà, et ce qu'on a appris sur le système éducatif, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez, mais enfin, essentiellement, c'était marqué par un fossé et par un entonnoir. Le fossé, c'est le fossé entre le scolaire et le supérieur, qui est juste considérable. Donc, quand on faisait nos belles conférences sur la créativité, avec des intervenants formidables dans toute la France, fatalement, l'élève de première, il disait, écoutez, vous êtes sympa, mais ce n'est pas ce qu'on me demande. Donc, si effectivement, c'est ça la compétence maîtresse du 21e siècle... j'ai dû me tromper d'adresse. Pareil quand on parlait de la transversalité. Alors certes, ils ont les TPE, vous savez, les travaux personnels encadrés. C'est le truc qu'a inventé l'éducation nationale pour instiller un tout petit peu de transversalité et d'idée qu'on peut travailler ensemble. On réussit quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est le seul moment à peu près au lycée où on vous fait faire quelque chose ensemble. C'est que normalement, on est en compétition, on va vous trier. Mais là, on fait un truc ensemble. Mais ils font quelque chose de formidable, c'est qu'ils réussissent à mettre des notes différentes à tous les élèves du même groupe. Voilà. C'est comme à la fin du match de foot, il n'y a pas un gagnant, un perdant, mais on va mettre des notes aux équipes et puis c'est ça qui va éventuellement décider des choses. Voilà. Donc ça, évidemment, on se l'est pris en pleine figure. En revanche, l'enseignement supérieur, massivement en France, et on ne le dit pas assez, et beaucoup sur les territoires, beaucoup en région, parce que Paris est un endroit complexe, notamment au niveau institutionnel, parce que c'est un lieu de pouvoir, mais en région, on voit vraiment des écosystèmes qui se mettent en place, publics, privés, consulaires, avec les entreprises, etc., qui sont extrêmement dynamiques. Ça, c'est le fossé, l'entonnoir. Si vous avez des enfants ou des souvenirs, vous le connaissez, l'entonnoir. C'est qu'on raconte beaucoup aujourd'hui que pour se mouvoir dans ce monde qui vient, pour s'orienter au 21e siècle, il faut déployer des compétences en créativité, l'empathie, travailler ensemble, pas être uniquement dans la compétition, la place du corps, le sport, etc. C'est quelque chose qu'on fait couramment à l'école maternelle. Bon, c'est-à-dire, on commence comme ça, c'est génial. Ensuite, l'enfant arrive en CP et on lui dit, vous plaisantez. Et bien, au collège, ça se termine. Au lycée, ça repart un peu, parce qu'il y a le lycée général, qui est resté quand même assez traditionnel dans ses méthodes, mais le lycée technologique ou le lycée professionnel sont beaucoup plus variés. Il y a de la pédagogie de projet dans ces endroits-là, il y a de la place pour autre chose, il y a de l'interdisciplinarité. Le dernier point, donc on a notre fossé, notre entonnoir. La grande question, c'est évidemment comment embarquer tout le monde, parce que le problème, c'est qu'au moment de l'entonnoir, il y en a un tas qui vont rester sur le bord du chemin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, en concevant au 21, on le conçoit sur des vendredis et samedis. Le vendredi, en essayant de travailler avec les rectorats, de sorte à ce que des lycéens qui ne viendraient pas forcément à un événement de ce genre-là, organisé par Le Monde, avec le poids que ça peut, symbolique que ça peut représenter aussi, ou parce que leur famille, tout simplement, ne lisent pas Le Monde, ou n'auraient pas l'idée de faire ce geste-là. On tient absolument à ce qu'il y ait aussi cette démarche, qui est une démarche de service public, qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais contente d'avoir, pour essayer d'embarquer tout le monde dans ce mouvement-là. Parce que sinon, on va se préparer à s'orienter au 21e siècle, qui sera effroyablement élitiste, je ne vais pas vous refaire l'histoire... électorale et politique toute récente, mais il ne faut pas se raconter d'histoire sur ce qui est en train de se passer. Oui, il y a un mouvement qui est extrêmement intéressant, qui, aux dernières législatives, concerne 11% des Français. Donc, ce n'est pas non plus la grande majorité. Et embarquer tout le monde est un enjeu absolument central. Alors, c'est vrai que vis-à-vis de l'éducation nationale, on a parfois un peu de mal à les convaincre parce que ça sort de la zone de confort, ce qu'on leur raconte. On ne fait pas beaucoup d'efforts, on peut vous le prouver avec une deuxième vidéo. Petite précision pour Joël, il y a des morceaux beaucoup plus longs après, hein, mais c'est juste que là, on a pris des conseils un peu iconoclastes pour montrer ce point en particulier, il y a 32 vidéos. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, en montrant toutes ces parties, ces témoignages, on s'est rendu compte d'un truc formidable, c'est que ça bouge vraiment partout en France. Donc on a rencontré des gens qui soient dans le système totalement, au niveau de l'éducation, dans les universités, dans les grandes écoles, des gens qui peuvent être dans des systèmes parallèles de formation, des gens qui sont dans des grands groupes, des gens qui sont dans des start-up, des gens qui sont freelance, des gens qui sont auto-entrepreneurs, dans des tiers-lieux, des personnes qui sont vraiment en marge.
et on est invités tous ensemble, ces 320 invités, ce qui a amené à des situations assez paradoxales des fois. On s'est rendu compte, par exemple, sans l'avoir organisé, qu'on s'est retrouvé dans le même plateau avec un directeur d'université, un président d'université, et puis un jeune qui a raconté qu'il avait été justement un jeune hacker, qui avait raconté que justement il avait hacké le système de l'université pour montrer que l'université était fragile d'un point de vue informatique, et qu'en fait il s'était fait virer. Donc on avait dans le même plateau, sur le même plateau, un jeune qui racontait qu'il s'était fait virer, et puis le président de l'université qui racontait que l'université était en prise avec le temps qui vient, etc. Donc on a bien mis en avant des frictions, des décalages, des personnes qui sont venues dire des choses extrêmement passionnantes, puis derrière qui nous ont raconté aussi que c'était pas simple dans le système académique de faire bouger les lignes, de par exemple de proposer des festivals art science qui mélangent différentes disciplines dans des endroits où les personnes sont très heureuses d'avoir leur propre silo de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant, on l'a espéré en tout cas en toute humilité, mais surtout en essayant d'être bienveillant, en mettant en lumière ce décalage-là, on a montré que ça générait énormément de questions. Au début de O21, on s'était dit qu'on avait prévu des questions de rattrapage si le public ne réagissait pas. Et puis à la fin d'O21, on avait entre 60 et 65% des questions qui venaient de la salle, tellement ça marchait. Et résultat, on a fait un sondage à la fin de tous ces O21 et on s'est rendu compte que 11% des jeunes qui nous ont répondu ont dit qu'ils avaient eu un déclic. Et ça, c'était pour nous le plus formidable des messages. C'est-à-dire qu'en gros, en montrant cette complexité du monde, non seulement ça leur a pas fait peur, hein, mais ça leur a donné des portes, en tout cas, à ouvrir. Et alors, c'est vrai que François Taddeï est là pour en témoigner. À la fin de tous les intervenants sur 21, on leur a demandé de rester 30 minutes de plus. Je crois que... Toi, t'as fait 1h30, je pense. Oui, c'était 1h30. Il y avait un fan club. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, c'était formidable aussi. Les jeunes ont compris que même s'ils entendaient des choses qui étaient un peu iconoclastes ou différentes, ils pouvaient ensuite, en tête à tête ou à plusieurs, aller parler aux personnes qui étaient sur l'estrade, mais sans avoir à prendre la parole en public. Et ça a formidablement marché. Donc ça a été pour nous, en fait, une formidable espoir. Et en se disant, on va renouveler l'espérance et renouveler aussi l'expérience et l'espérance. Et alors maintenant, la question, c'est de se dire comment on fait pour renouveler tout ça. Eh bien, on refait au 21. Dans au moins 5 villes, les mêmes que l'année dernière, plus Nancy, peut-être 6, on ne sait pas encore. Et autour cette fois de 6 thèmes et non pas 8, notamment pour avoir une meilleure articulation entre les conférences, temps de l'inspiration et puis des ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui se déroulaient. Alors l'année dernière, parallèlement, cette fois, on va le faire un peu en tranche napolitaine. Donc on aura la conférence pour l'inspiration et l'atelier pour la construction et la transpiration. Et ces 6 grands thèmes, alors la journée du vendredi, où on espère avoir un maximum de, notamment de lycéens, est une journée qui est assez orientation. Elle est organisée en 3 thèmes. On a choisi des verbes cette année. Pour le vendredi, c'est choisir, anticiper et se former. Choisir. Alors choisir, c'est on se dit si 65% des métiers n'existent, du primaire n'existent pas encore pour les gens qui rentrent en primaire, comment on fait pour choisir sa voie? Si ça n'existe pas, à qui me fier? Mes notes, mes potes, mes rêves. Donc c'est cette question-là. Centrale. Anticiper. Anticiper, c'est justement quels sont les nouveaux métiers qui apparaissent, quels sont les métiers de demain, quelles sont les formations qui y préparent. Se former. Se former, c'est justement, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement, notamment dans le monde entier. Et on a parlé d'apprendre à apprendre. Comment on le fait pour apprendre à apprendre quand on est aussi étudiant et quand après on rentre dans le monde de l'entreprise? Le lendemain, samedi, où on est un poil plus grand public, on intègre vraiment les problématiques qui tournent autour des compétences, qui seraient les compétences clés du 21e siècle, créer, oser et se réaliser, c'est quand même l'objectif, créer. Alors créer, ça va être justement l'injonction à la créativité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la créativité, ça s'apprend? Si oui, comment? Il y a des gens qui viennent témoigner, qui racontent comment ils le font. Oser. Alors oser, ça va être en effet par rapport à cette histoire du risque. Il y a ce fantasme de l'entrepreneuriat et on voit bien aussi que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des risques? Comment on fait le déclic pour prendre des risques? Est-ce que justement financièrement, il faut avoir un bon timing? C'est toutes ces sortes de petits détails qu'on aborde dans cette table ronde. Et se réaliser. Et alors justement, c'est un peu cette évolution par rapport à ce qu'on a dit. La première table ronde, c'était sur le sens. Et on s'est rendu compte que c'est le sens, mais le sens également pour soi. Donc la nouvelle génération met le sens en avant, mais aussi a envie d'être en accord avec ses propres valeurs. Est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce qu'on peut le faire en gagnant sa vie? Voilà, on a fait moins de 30 minutes. C'est pas pour que vous alliez manger. Vous y allez...
C'est pour qu'on ait le temps de vous entendre, au moins 5 minutes. Et puis après, c'est comme à O21, on reste au déjeuner. Donc si vous avez envie, besoin, nous, on est preneurs de toutes vos bonnes idées, des énergies. Maintenant et après, vous avez nos fils Twitter respectifs et on est normalement assez facile à trouver. Vous avez vu la question que j'ai posée à Joël, juste pour dire, voilà. C'était justement à la fin des vidéos, on demandait à toutes les personnes, tous les experts qu'on a interviewés, d'interroger quelle serait la question que vous aimeriez poser aux jeunes, le message que vous avez envie de passer. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser aux jeunes ou des messages que vous aimeriez faire passer? Ben, qu'on peut noter. Après, bien sûr, on a des mails, vous pouvez nous... Alors, en cinq minutes, on va peut-être passer les micros. Allez-y, n'hésitez pas. On peut passer le micro, on a l'habitude de faire... Allez. Il y a quelqu'un, Emmanuel. Oui, ouais, j'ai vu, j'ai repéré. Bonjour, je m'appelle Isabelle Ampar, je travaille pour Matrice, qui est une association qui accompagne des jeunes, justement, dans une aventure un peu entrepreneuriale, mais de manière transdisciplinaire et toujours numérique, et aussi avec des partenaires. Et en fait, nous, c'est un petit peu ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on confronte les jeunes avec des institutions, avec le terrain, justement, pour qu'ils se rendent compte de ces frictions, de ces zones de friction, et comment ils vont trouver la meilleure solution et la meilleure chose à faire dans leur avenir. Et en fait, ce que je voudrais dire, pour les accompagner et les coacher, parce que ça dure 10 mois, c'est que la créativité, l'innovation, parfois ça prend aussi du temps de réflexion. Ça nécessite de faire un pas de côté pour réfléchir à la technologie qui est en train de se faire et à son but et à son sens. Et surtout, ça doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'intuition et de leadership. Et ça se fait aussi de manière transversale en équipe. Et il faut être prêt à travailler là-dessus aussi quand on veut s'engager quelque part de manière transversale. On voit alors prendre des notes là, au fur et à mesure. Ah oui, n'hésitez pas à nous envoyer. Alors, c'est simple, hein, David Enkoff at Le Monde, Belot at Le Monde ou O21 at Le Monde pour nous raconter ce que vous faites. Parce que si vous avez envie aussi d'intervenir, n'hésitez pas à nous préparer, nous proposer ce que vous Des ce idées, vous des idées d'intervenants, des soutiens. Voilà. Tout. Est-ce que vous avez d'autres remarques? D'autres questions, il reste 3 minutes 20. On peut y aller. Éloi comptabilise tout ça. Un bras qui se lève, après on peut faire moins. Ah ici, si. Là, au troisième rang. Merci Hugues de Jouvenel, président de Futurible. Non, moi je voudrais d'abord faire une remarque. Je pense que la réflexion de Joël est très très juste. On est dans un pays où les gens ont tendance à considérer l'avenir comme étant quelque chose qu'ils vont subir. Et le vrai défi, c'est effectivement de passer de cette posture de spectateur, voire d'une posture de fatalisme, à une posture d'artisan, de constructeur d'avenir en quelque sorte. Alors, quelle est la clé? Le problème, c'est que c'est particulièrement difficile chez les jeunes, parce que s'il y a des gens qui sont dans un entonnoir, c'est bien les jeunes. C'est bien les jeunes qui nous disent, il y a une filière, il y a une usine à former, tout le monde passe dans le même laminoir, et il n'y a pas de chemin de traverse. Alors, moi, je n'ai pas de solution miracle. J'ai quand même le souvenir d'un travail de prospective lancé par la Datar à la fin des années 90 par Jean-Louis Guigou, qui avait fait une valise pédagogique pour animer des exercices de prospective au profit des jeunes. Malheureusement, j'ai perdu cette valise, ou elle a été perdue dans les déménagements, mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui l'a, ça peut vous être utile. Merci beaucoup, on veut bien la valise. On a mis en scène beaucoup de parcours et de profils pendant O21, justement de personnes qui avaient éviter le laminoir qui avait changé à Lille notamment. Rebecca Soulcier qui par exemple était ingénieure à Centrale Lille et qui rêvait d'être pâtissière. En fait, tout le monde lui conseillait d'être ingénieure et puis elle a tout changé pour devenir pâtissière. Et elle a été extrêmement inspirante. Elle a reçu énormément de messages ensuite et on a essayé dans chaque ville de montrer également que les travaux manuels, voilà, les métiers manuels amenaient aussi à des formidables métiers passionnants et que c'est vrai que quand on est bon en maths, quand on est bon en physique, la majorité des conseillers vont vous dire qu'en fait, il faut plutôt prendre une filière académique, ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, Rebecca disait qu'ensuite, elle aurait une approche extrêmement scientifique de la pâtisserie, que ce serait formidable. Voilà. Le problème étant qu'on a plus d'ingénieurs pâtissiers que de pâtissiers qui deviennent ingénieurs. Mais ça renvoie à la question de l'entonnoir. Oui, Claude Tran. Oui, je pense qu'il pourrait être intéressant peut-être, même si on a une idée d'une forme de monolithisme de cette éducation nationale, de donner la parole à des enseignants qui font autrement et qui font en sorte effectivement que les élèves, il y en a, et ils le font, je crois, de façon extrêmement discrète. Quelquefois, ils se cachent pour le faire.
où ils font en sorte que les élèves sont de véritables artisans. Parce que, comme l'a dit Emmanuel, juste après la classe maternelle, ça se gâte, ça se ferme un petit peu. Alors, donner la parole à ces adultes qui permettent à des élèves d'être acteurs, d'être artisans de leur propre apprentissage, ça me semble une bonne chose. Alors, votre remarque, elle est centrale, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans toutes les villes, de donner la parole. Alors, n'hésitez pas, si vous pensez à des gens, de nous envoyer par mail. Et c'est vrai qu'on a vraiment cherché dans toute la France à avoir des personnes qui cherchent à faire autrement, ce qui n'est pas simple. On parlait de pas de côté, avoir un pas de côté dans un système, être dedans, dehors, ça n'est pas simple du tout. Et notre envie, c'est en effet de mettre en avant le plus possible ces enseignants-là, ces professeurs-là également. Et sur Educavox, qui est le site dont s'occupe Claude, vous avez notamment une très belle interview. Je te peux te faire de la pub, j'ai le droit. Très belle interview de Sophie Guichard, qui est professeure de mathématiques et qui fait autrement avec ses élèves et qui était à O21 Villeurbanne. Donc on est ravis de les accueillir, ceux-là. Allez, on va te les piquer, c'est dire. Une toute dernière question, c'est une question témoignage. Une question commentaire et en même temps la question que je poserai à ces jeunes, est-ce qu'ils ont envie d'être coéducateurs ? C'est-à-dire la notion de coéducation va prendre de plus en plus de place dans le pouvoir transversal, qui n'est plus le pouvoir pyramidal des disciplines dans les universités, les collèges, les écoles, mais la capacité des gens à échanger, à partager leur savoir. Donc la coéducation, à mon avis, va jouer un rôle de plus en plus important. La coéducation participative transgénérationnelle, c'est trois mots qui ont l'air un peu technocrato-politique, mais la coéducation participative transgénérationnelle, c'est-à-dire créer les conditions numériques, comme on l'a pour Blablacar, je reprends Blablacar, qui est une idée plus triviale que l'éducation, mais qui existe, c'est que je peux choisir où je veux aller, avec qui je veux aller, si des gens qui ne mangent pas des sandwichs pendant le voyage ou qui ne fument pas. Donc, grâce au numérique, on va pouvoir trouver des profils de coéducateurs, et c'est la question qu'on peut leur poser. C'est est-ce que vous avez un savoir que vous seriez prêt à enseigner et dans les conditions du numérique, parce qu'on ne va pas demander aux gens de se déplacer dans un lieu pour enseigner. Là, on va utiliser le lien plutôt que le lieu, comme on a dit tout à l'heure dans la mobilité. Donc, la mobilité des coéducateurs grâce au numérique est une question fondamentale pour votre projet 21, me semble-t-il, pour le futur. C'est extrêmement intéressant, parce qu'on pourrait dire qu'au 21, merci, c'est de la coéducation, c'est participatif et c'est transgénérationnel. Les vidéos, on a interviewé des gens de 18 à 85 ans. Ça, c'est Henri Atlan qui nous a accepté de dire son nom en ligne. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi qu'on a fait décrypter toutes ces vidéos par des jeunes étudiants qui ont fait un stage ouvrier au Monde et qui ont tout décrypté. Et en fait, on leur a dit, mais qui sont les personnes qui vont le plus aspirer ? Alors, c'est pas de la flagornerie. Écoutez, vous en faisiez partie, et toutes les personnes qui dépassaient l'âge de la retraite, on va dire clairement, étaient les personnes les plus inspirantes plus pour cette François jeune génération. Taddeï, plus François Taddeï. Plus François Taddeï aussi, oui. Mais en fait, on voit bien que l'aspect transgénérationnel est fondamental, et dans ces plateaux, on a mis en scène aussi, de fait, cette transgénérationnalité, avec des grands témoins qui étaient sur le plateau et qui apportaient leur avis face à des jeunes qui étaient encore étudiants et créaient des start-up, et les échanges était juste formidable. Merci beaucoup. On rappelle juste vos mails. Belot@lemonde, c'est ça ? Belot@lemonde.fr, oui. Davidenkoff@lemonde. Il y a aussi un mail au 21@lemonde. Et il y a plein de choses sur des vidéos sur le site lemonde.fr. Après la rubrique campus, il y a un onglet au 21. Eh bien, on vous applaudit. Merci beaucoup pour ce très beau projet.